Allez, bonjour à tous, vous êtes bien sûr Cocor et pas plus fort, re à ceux qui étaient là ce matin pour le petit live improvisé découverte sur Over, Revolt of Gamers. On se retrouve cet après-midi pour un live régulier, le live régulier le live de gameplay du dimanche. Et cette fois-ci, alors vous avez voté, mais c'était il y a une semaine, vous aviez voté pour Elite Dangerous, donc on rattrape le live aujourd'hui étant donné que... on n'avait pas de réseau au moment où c'était prévu et que le réseau est revenu, donc moult live à rattraper si vous le voulez. On peut commencer là déjà par du 2 heures de Elite Dangerous, et après partir sur du live improvisé où je ferai très certainement du Zelda Breath of the Wild, ou alors on peut rattraper les deux lives de gameplay qu'on n'a pas fait cette dernière semaine, et donc du coup on enchaînerait je vais vous remettre les votes, on enchaînerait sur un live, enfin sur une session de 2 heures sur le premier jeu de cette liste de sondages. Apparemment c'était testé aux dernières nouvelles, je sais pas si ça a bougé, et éventuellement on ferait une session de 2 heures sur un autre jeu, et à ce moment là je vous fais un petit stream poll tout de suite pour la troisième partie, pour rattraper voilà tous les lives de gameplay où du coup vous choisissez le contenu, ou alors on fait... On dit qu'on les rattrape pas, et du coup c'est moi qui choisis les jeux, on fait du live improvisé sur plusieurs heures cet après-midi. Voilà. En tout cas aujourd'hui, pour commencer, 2 heures d'Elite Dangerous, on découvre ensemble l'extension Horizon, enfin je découvre surtout, parce que ça fait un moment qu'elle est sortie, donc je suppose que la plupart des gens qui vont revenir la connaîtront déjà, ou seront peut-être curieux de la découvrir s'ils avaient arrêté un petit peu le jeu. Donc on va se faire ça pendant 2 heures, là on va vite fait se poser sur une planète, essayer de tâter un peu le terrain, de tâter un petit peu le véhicule terrestre, et après on verra si on trouve éventuellement des missions à accomplir sur la surface des planètes. Voilà pour le programme de cet après-midi, n'hésitez pas à donner votre avis. Allez, on va reprendre ma partie qui est pas très avancée hein, sur l'état de sur les Dangerous, même si je dois avoir 38 heures de jeu dessus. Je suis pas un gros joueur de Elite. Ça fait un bon moment que j'ai pas joué, je pense que ça doit facilement faire un an. J'avais refait vite fait les tutos formation et j'ai regardé un petit peu où était mon vaisseau, ce qu'il y avait à côté. Je l'ai équipé un petit peu pour préparer ce live, mais sinon ça fait un bon moment que j'ai pas volé comme ça en jeu ouvert dans le coin. Donc nous sommes à la station de Bureau City dans le système Kadoumist. Si je dis pas de bêtises, voilà, Kadoumist, gouverné par la Kadoumist Fortune Organisation, avec qui j'avais dû faire quelques missions, puisque j'ai une entente cordiale avec eux. Je vais récupérer la manette, hop. Donc, petite explication déjà, donc j'ai un adder qui doit être le deuxième ou le troisième vaisseau du jeu, c'est pas le tout premier qui était le Sidewinder. Je l'ai équipé un petit peu en conséquence pour l'extension, pour pas arriver en plein live à passer des heures sur les wikis à chercher comment faire. Je pense être à peu près prêt, vu que... Alors on va aller plutôt dans le Stationport. Pour aller sur les planètes, il faut un petit module qui est équipé automatiquement à quasiment tous les vaisseaux, je pense. Qui permet, voilà, c'est un module de navigation planétaire ou un truc comme ça, qui permet tout simplement d'approcher les planètes. Et donc il doit servir de clé pour ceux qui ont pas, pour ceux qui ont l'extension Horizon, à la différence de ceux qui ne l'ont pas. Jouer les Dangerous sans avoir Horizon, évidemment. On va aller dans l'équipement. Donc voilà, on a un module qui a incorporé, un module optionnel interne qui a incorporé automatiquement. C'est... alors, je sais plus quoi. Installation ou je sais pas. Enfin, c'est pour les approches planétaires, voilà. Mais ça ne suffit pas pour se promener dessus avec un petit véhicule. Donc j'ai dû enlever un truc que j'avais équipé dernièrement. Je crois que c'était un truc pour détecter ou intercepter ce qui était en fast travel, en FSD. Si je dis pas de bêtises. Et que j'ai pas eu le temps de tester. Donc là, vu que je reprends le jeu, je me dis que c'est pas le moment de se lancer là-dedans. Donc j'ai récupéré un hangar de véhicules planétaires que vous pouvez trouver dans les modules optionnels. Vous allez dans la boutique, vous avez ici... Le hangar des véhicules, là où je suis il n'y avait pas trop de choix, il y avait juste le hangar de véhicules planétaires de G et de H. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre mais il consomme moins. Et il vous permet d'avoir un véhicule dans ce module là. Donc là on a la baie VRS Scarabée sur l'emplacement de véhicule 1. Et j'avais pas trop le choix non plus pour le véhicule. Alors est-ce que ça vient de la station où je suis, est-ce que c'est juste c'est le début de l'extension, ils ont pas fait beaucoup de véhicules, ou est-ce que j'ai pas le rang...
Pour les débloquer, ils sont pas affichés. D'ailleurs, je vois qu'il y a des filtres. Ça se trouve... Bon, j'ai accès à tout, ok. Je vois tout, il n'y a pas de trucs qui sont masqués à cause de mon rang, apparemment, j'ai l'impression. Donc on va prendre une planète au pif pour l'instant, on va voir un petit peu comment ça se passe sur place. Et après on ira voir si on peut pas récupérer le 2 missions. J'ai vu qu'il y avait des missions propres à Horizon, enfin j'ai l'impression, vu que c'était le logo fait plus ou moins penser au logo d'Horizon. Et justement il y avait des choses qui se passaient, notamment en surface de planète. Donc on va déjà essayer de sortir notre vaisseau, ça fait longtemps que j'ai pas piloté, sans de crasher n'importe où. On va se définir une destination quand même, tout de suite. Et il faudra aller sur une planète qui est sur laquelle on peut se poser, je pense que celle-ci en fait partie. Donc là je dois être Academist B2, et donc je peux aller directement sur cette planète-là, normalement. carte de surface. Comme ça on pourra voir si éventuellement il y a des stations, on pourra se poser dessus directement. On a Harrison Legacy. Comme ça on verra s'il y a des installations, je sais pas s'il y a un genre de station-port comme on peut avoir dans les petites stations, spatiales, si on peut se poser tout simplement là-dedans et accéder à de l'équipement, tout ça, à des missions propres à ces petites colonies. On va aller voir ça, mais j'ai l'impression que non, mais je peux me tromper. On va du coup sélectionner ça en destination, puis on va essayer de se poser par là et d'y aller avec notre véhicule. Ça se trouve on se fera labourer ou attaquer dès qu'on va s'approcher un peu trop, mais bon. Il faut une première fois. Donc, on va faire ça comme ça. Retour en surface. Donc, vu que j'ai refait les tutos, je devrais au moins réussir à faire quelques mètres sans me prendre un mur. J'ai bon espoir. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort, mais je pense que ça a l'air d'aller. C'est juste que c'est trop fort dans mon casque. Voilà. Décollons. Alors, que je me souvienne, le train d'atterrissage, c'est pas là. Ah bah je sais plus, tiens. On va pas faire une connerie. Est-ce que c'est... côté 2A? Non, ça c'est les cibles. Ah, c'était avec B en fait. J'avais la touche de la direction bas, j'avais la bonne direction. Mais... j'avais pas... voilà, je trouve pour accélérer. J'ai la bonne direction mais pas la bonne touche. Ça fait bizarre parce que j'ai fait le tuto avec un cockpit qui était... il y avait la place au centre et là je suis un peu sur la droite, c'est un peu perturbant. Je vous avoue. Ok, j'ai failli toucher le mur, tout va bien. Alors il va falloir commencer à se placer en FSD et sortir du champ de gravité. Ah bah d'accord, la planète est droit devant en fait. Ok, on est en train de me scanner. C'est pas grave, on va s'éloigner. Tout semble en ordre, je vous souhaite une bonne journée. D'accord, ok, en fait, je me suis juste scanné par les autorités. Ok, je suis plus dans le champ, donc ça doit être Y normalement. Mais j'ai l'impression que la planète est trop proche, ou alors elle est très grande. Je ne sais pas. Parce que du coup, il me semble qu'on les voyait pas d'aussi près, les. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, je vais juste plus vite. Juste beaucoup trop vite. Alors, il n'y a pas de marqueur de distance. Alors, je suppose que la station est là. On va se mettre, voilà, comme ça. Non, c'est pas... bah si, il faut quand même que j'arrête mon FSD à un moment donné. Donc, c'est bizarre qu'il n'y ait pas la zone bleue dans la distance, c'est pour ça. C'est pas clair. Ah, il n'y avait pas ça dans le tuto. D'accord. C'est passé dans un autre mode apparemment. Bon, j'ai dû... ça va me ralentir tout seul, je pense. Ça va faire une transition du FSD tranquille au mode normal, je pense. On va aller un peu plus vite. Ouais, parce qu'il n'y a plus le truc en bas à gauche par rapport à la cible. Non, donc ça doit se faire tout seul. Ah, je crois qu'on aperçoit un petit peu la station, vite fait. On va aller un petit peu plus vite, si je peux. Non, je peux pas. Sortie de l'orbite de croisière. Ok. Ce bruit ne m'a pas rassuré, mais ça a l'air bon. Initialisation de la descente, ok. Ah,
Alors juste l'altimètre aussi, ok, la surface 26 km, ok. Bon là je suis à fond, je peux pas aller moins vite. Donc ça, ça doit être en bleu l'angle que j'ai par rapport à la surface. Ou à l'horizontale du moins. On est à 10 km. 0,22G, descente terminée, ok. Donc là on réduit encore, ah ouais, beaucoup la vitesse. Mode FSD actif. Ah par contre je suis juste à 3 minutes de la station, donc on va juste avancer un peu plus. J'aurais peut-être dû aller un peu plus proche, je pense. Parce que dans le tuto en fait on nous met directement une altitude voire équivalente ou plus basse et à côté de la station, on n'a pas vraiment l'arrivée sur la planète à proprement parler. Alors mon joystick doit avoir une zone morte un peu nulle. Est-ce que je peux? Je peux. Bon, on n'a pas gagné beaucoup de temps. Hein. Est-ce que je reprends la vitesse si jamais je remonte à la... Alors ah d'accord, je ralentis encore plus à No Man's Sky. Parce que 34 km avec le petit buggy, je pense que ça va prendre du temps. Ah là, je dois être dans l'atmosphère, donc ça va me ralentir, je pense, ça va me freiner. Ou je dois avoir des sécurités qui m'empêchent de trop bourrer. Ouais, faut qu'on remonte, je pense. Alors, je sais pas quelle distance faut se mettre, éventuellement. Donc, en haut, il y a des... D'accord, c'est juste une grosse échelle pour la... pour l'assiette. On va retourner un peu plus haut. Au final, je vais remonter, je vais récupérer ma vitesse et je vais dépasser, quoi. On va se mettre à 45 degrés. Et à un moment, il va me dire... je serai assez haut pour aller plus vite. Ou est-ce qu'il faut que je passe en FSD, tout simplement? À nouveau. Parce que là, je vais pas forcément plus vite. En m'éloignant de la surface. Pff, après, 1 minute 30, ça se fait. Hein. Je pense que le temps que je remonte tout en haut et que je revienne, ça prendra autant de temps. Hein. Je pense qu'on va tranquillement se poser. Hein. De réguler ma vitesse d'approche. Mais je suis à 1 minute de vous. J'ai le temps de ralentir. Regarde, je régule. Est-ce qu'il faut que je fasse une demande de bonjour, je viens vous voir? Ah bah on peut faire un appontage. Attends, il y a des trucs pour attirer là-dessus. Ah, parce que moi je voulais me poser à côté et venir avec mon petit vaisseau. Du coup, je ne sais pas. Si je rentre, ils vont peut-être pas te tirer dessus. Bon, à 5 km, ça devrait le faire. Bon, vas-y, on va se mettre à... Ah oui, mais c'est le centre, donc il suffit que la station elle fasse déjà plusieurs kilomètres. Vous entrez dans une zone neutre. Impact. Je parle anglais et je t'entends pas. du coup, on va voir si on peut... Non, je voulais descendre. On est à... Oula, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Ouah là 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 là. On arrivait un petit peu vite, je pensais pas que... On allait si vite. Je suis en terrain adapté là. C'est bleu en dessous de moi mais la planète est rouge, je sais pas si ça va. Alignement, ok. Vaisseau sécurisé, appuyez longuement sur RS pour décoller. Bon, on a réussi déjà l'atterrissage. Alors, je sais pas si je peux aller là-bas. En véhicule, du coup. On est à 2 km, que je me souvienne, c'est X et... vers le bas, voilà. Voilà, ah, et on déploie le véhicule. Après, peut-être qu'on pouvait tout simplement aussi se poser là-bas et déployer notre véhicule sur place. Hein. Mais je ne sais pas, donc pour une première approche.
Assistance désactivée. Ouais, mais non. Moi, j'aime bien l'assistance, ça m'évite de faire de la merde. Oui, la direction assistée. C'est parce que c'est la première fois que j'utilise. Donc voilà, CRT pour accélérer. Quelle est la station? Elle est là-bas. Alors, ah, c'est le frame hein, dans celui-là, c'est vrai que c'est différent. Comment on fait défiler les cibles? Attends, on va laisser les touches s'afficher. RT Citétrice, c'est ça. Je crois que les cibles, c'est dans A, mais sur le vaisseau. Vaisseau est trop proche. Ah, ça doit être pour rappeler le vaisseau, je crois. Voilà la carte du système, voilà la carte de la galaxie. De mémoire, il y a des touches pour changer le zoom de la... Voilà, réduire la portée des capteurs. Ok, de toute façon, il y a l'air d'y avoir rien d'autre à la surface, si ce n'est la station. Le frame hein, est en route. Je sais pas si on peut les avoir en français, les voix. Alors, il y a une gravité à 0,2, si j'ai bien compris. Alors, et du coup, est-ce que en tant que vaisseau, je peux demander un accès ou un appontage? Enfin, là, c'est pas un appontage pour le coup, mais... voyons voir. Cible. C'est mon vaisseau qui a pas l'équipage. Avant-poste. Demande d'embarquement. Ah, pourquoi donc? Rejeté. Vaisseau trop proche. Remonter à bord du vaisseau avant d'envoyer une nouvelle requête. D'accord, donc si... Hein? Le vaisseau est trop proche pour apponter? Le vaisseau trop proche de moi ou du vaisseau ou de la station? Je sais pas. On va y aller, on verra si on se fait attaquer. Oups. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien. Comment on fait pour... Ah voilà, c'est ça. C'est B pour envoyer les gaz vers le haut. Pour éviter voilà les collisions foireuses, pour remettre le vaisseau, le véhicule droit. Il n'y a pas beaucoup d'adhérence là-dessus, hein. Peut-être parce que je vais un peu vite aussi. On va se mettre à mi-vitesse, voilà. Ça sera pas trop mal. Alors attends, je peux pas mettre sur pause. Je vois pas ton pseudo. Et salut le laser blanc. Je m'appelle Cocor, moi personnellement. Envoie du gaz, ouais, mais ça roule pas très bien. Ah, je reprends le focus du jeu, peut-être. Bon, ça, c'est le frein à main. Protecteur sentinelle. Il est là pour moi, lui, ou pas? On va visiter, hein. Ah, et les lampadaires, je rentre dans la ville. Ça va être l'entrée. Il y a le panneau. Ville fleurie, zéro. Zéro trèfle. C'est bien joué par ici. Ah, bah la sortie, voilà. La visite de la ville est terminée. Nous avons un gardien, très bien. Deux gardiens. Donc là, on ressort. Donc au final, il n'y aura pas eu grand chose. Ah, il y a l'air d'y avoir une autre entrée là-bas. On va aller voir sur les côtés, peut-être s'il faut y aller les choses. Et dans le. Ah, je suis coincé. Ah cool, j'ai bloqué mon véhicule, très bien. Mais bon. C'est débloqué par je ne sais quel miracle. Bah dans le tuto, il nous proposait un genre de mission où il fallait pirater je ne sais pas quel système, quel appareil dans la station et en dégommant notamment une alimentation. Nous avons un Goliath.
Arrêt prolongé détecté, évacuez immédiatement la plateforme sous peine. Ok, d'accord. La visite est terminée. Ah oui, 20 secondes quoi, ok. Amende reçue, blocage d'une plateforme d'atterrissage. Ah bon, sérieux? J'ai même pas vu que j'étais dessus. Bon, on va se casser, hein. Je me suis pris la barrière, tout va bien. Enfin, roule droit. Oh là là. Bon, je sens qu'on va se faire pourrir. Hein. Pas prochainement. Enfin, je vais pas jamais avoir le temps de partir là. Ah, mais plus le timer, ça doit être bon. Bon, allez, on va aller se poser, on va prendre une plateforme. On va aller prendre une petite plateforme d'atterrissage. Alors, ceci n'est pas mon vaisseau en fait. Fraction règlement de Vistatioport résolu, appontage autorisé. Ok. Alors, petit souci, c'est que je localise plus mon vaisseau. Peut-être qu'à force, j'ai dû le faire partir. Que je me souvienne. C'était A, je crois. Je crois qu'il est parti, mon vaisseau. Hein. Comment je le rappelle? Tableau de bord rôle. De la portée. Ah, rappeler, envoyer le vaisseau. Rappel du vaisseau, alors qu'il était bien. Il s'était bien barré tout seul. Nous entrons dans une zone, notre ok. Il est quelque part au-dessus. Je vais juste voir la vue libre. Ok, il est là-bas. Ah, au pire, je pourrais peut-être faire une demande d'appontage de mon vaisseau et le retrouver directement dans la station. Ah, si je faisais... Attends. Si je faisais demande d'embarquement, ça se trouve, ça rappelait mon vaisseau sur la station. On va essayer. Repars vaisseau, on a plus besoin de toi. On va voir. Si c'est embarquement, c'est, je suppose c'est pour retrouver notre véhicule là-dedans. Et là pour le coup on aura une plateforme autorisée. On aura le droit d'aller là-bas. Vas-y en fait, ouais, on va avoir une demande. On va voir pour faire une demande d'embarquement. Et du coup j'ai une amende de 400 crédits. Ouais ça va. Par contre là, le petit mouvement de caméra est assez pénible. Demande d'embarquement. Demande d'appontage accordée. Arrête juste de trembler. Et du coup, mon vaisseau, j'ai l'impression qu'il est là-bas. Ah voilà, sans équipage. Casier vierge. Mais non, j'ai une amende de 400$ pour stationnement illégal avec buggy. Envoie les gaz. Cocker qui joue à Elite Dangerous, le truc que j'aurais jamais imaginé. Bah ça fait un moment que je l'ai, Elite Dangerous. Comment ça va, Kero? J'ai déjà joué. Bah ça va très bien, et toi? Allez, on met les gaz. Putain. Adhérence. Ouais, pour peu qu'on se prenne une amende pour excès de vitesse. On va se calmer. Je viens de te réveiller, ok. Attends, mais il est où mon vaisseau? Il est... Non. À chaque fois je me trompe. Non, il évite de déployer les tourelles. Qu'est-ce que mon vaisseau fait dessous? What?
Attends, on va la reprendre le contrôle. Est-ce que je suis... Les plateformes, elles sont en dessous? Ou bien... Parce que là, j'ai l'impression de lui tourner autour. Là, il y a un trou. Je n'ose pas. On va juste faire le tour de cette petite station. En fait, je crois que c'est juste une plateforme, ça. Parce que là, j'en ai fait le tour et j'ai à nouveau la sortie. Alors parce que, de toute façon, mon vaisseau, il doit être en sous-sol comme quand on atterrit. Et le petit buggy, normalement, il arrive par le bas, donc ça se trouve, faut que je sois sous la plateforme. Ah, attends. Il se remonte. J'ai l'impression que si je reste là-dedans... Voilà, j'ai cru voir un message rouge s'afficher. La caméra normale. C'est pas évident de conduire. Alors mon vaisseau est bien dessous, mais est-ce qu'il y a vraiment un accès pour les véhicules terrestres? J'ai un nadir actuellement. Ah! J'aime peut-être quelque chose là. Est-ce que ça descend ce machin? Ah oui, c'est peut-être tout simplement là que je dois rentrer. Il y a des lumières qui clignotent. Est-ce que c'est là que je dois aller? VRS sécurisé est prêt pour le transfert à bord du vaisseau. Ah bah voilà, c'était ça. Non, je veux pas discuter. Embarqué. Ok, donc nous sommes du coup à Harrison Legacy. Dans notre vaisseau, et nous avons des services de stationport. Comme dans une station... comme une station dans l'espace. Bonjour, Commandant Cocker, la station Harrison Legacy est honorée de vous accueillir à son bord. Faisons le plein. On peut acheter de l'équipement aussi, apparemment, là. Ou on a peut-être au moins accès à notre propre équipement, on n'a peut-être pas accès à la boutique. Ah si, on a la boutique. Mais du coup, voilà, il n'y a pas mieux de véhicules ici. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Nous avons la salle d'attente. Ah, on n'a pas de tableau de mission. Salle d'attente, je sais pas si c'est pas pour du transport de passagers ou ce genre de conneries. Le Hador, le truc en aluminium, il est fragile, mais saute bien, c'est cool pour les livraisons. Ok. Et je l'aimais bien, ce vaisseau. Zéro mission disponible. Oui, ça, ok, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas de... Ah non, il faut un rentre-voyageur, ok. Et puis, il faut une cabine, du coup. D'accord, donc c'est juste pour du transport de... de personnes. C'est pour le transport de passagers, la salle, ok. Contact, ouais, du coup, il y a rien, il y a pas de mission qu'on peut faire là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, je pense, à une station, et puis on va voir si on peut trouver des missions à faire, justement, en surface. Même si j'ai l'impression qu'en fait, la mission, si c'était aller à une station... Alors, est-ce que c'est ça, une colonie, l'endroit où je suis? J'ai vu qu'il y avait cette dénomination de colonie, donc... est-ce que c'est des stations plus vite ou éventuellement plus petites, où on ne peut pas atterrir? Et... on ne peut pas atterrir avec le vaisseau, mais on peut y accéder avec le buggy pour faire des missions, comme dans le tuto qui dit de détruire tel ou tel truc pour accomplir l'objectif du tuto, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Parce que bon, se poser à une station spatiale, au final, ça change pas grand-chose de se poser sur une station dans l'espace. Vous allez peut-être pas dire le contraire. Et pour les copilotes, il me semble. Ok. Bah du coup, on n'a aucun intérêt à rester là, on va juste se définir une destination. Bah, on va retourner à la station où on était, puis on va voir... normalement, j'ai vu qu'il y avait des missions... Ah, faut que je paye mon amende peut-être aussi. Ça doit pas se faire tout seul, et si je le fais pas, je risque de le regretter, je pense. Contact, peut-être ? toutes les amendes cumulées. Confirmé. Ah c'est ça, elle était pas payée. Ok, du coup je sais pas, il y avait pas de temps indiqué comme quoi si jamais je mettais trop de temps à la payer.
Et ben du coup, je me faisais botter le cul. Il y a les stations terrestres et les bases de mission. D'accord. Tu peux même te poser à l'arrache à proximité d'une mission terrestre si tu veux. Ok. Oui, c'est des missions où il y avait peut-être plus à faire des atterrissages en plein air et à y aller avec un petit peu avec le buggy. Ça aurait été intéressant de faire ça. Je sais pas ce que Horizon propose d'autre éventuellement à part ça. Peut-être rien, vous allez me dire. Hein, pour l'instant. Bon, si on peut faire au moins déjà ça, ça sera déjà un truc de fait. Du coup, on va retourner. C'était à Bureau City. C'est le plus proche. Verrouiller la destination et on va voir si. Si on trouve quelque chose. Retour en surface du coup. Ok. Il y a plein de trucs, tu as largement de quoi t'occuper. Ok, bah si, on va d'abord faire ça, voir si on peut faire une mission avec le buggy à la surface terrestre. Si vous en repérez une directement, dites-le moi. Parce que moi, j'aurais peut-être pas du mal à les identifier parmi les textes de mission ou les différentes icônes qu'il pourrait y avoir pour les identifier. Donc voilà. Si vous repérez des trucs intéressants à faire, n'hésitez pas. Du coup, ma destination, c'est là-bas. Donc vu qu'il y a le champ gravité, je pense que je ne peux pas faire le FSD. Vous quittez la zone neutre. Ah, ok, le jeu a planté. Il n'a pas supporté la réception du SMS ou la sortie de la gravité. Il n'y a rien qui a indiqué que le PC avait du mal, donc je ne sais pas, ça doit être random comme ça au pif. Ouais, vas-y, envoie, même si j'ai pas mis de description. Tac. En attendant que ça envoie le petit rapport d'erreur. C'est trop fort. Je peux peut-être rejouer directement, hein. Je suis peut-être pas obligé d'attendre la fin de l'envoi. Parce que je ne les fais pas les missions terrestres car je me perds toujours où il y a des problèmes du style vous avez attaqué une base de tel camp, donc au final, je fais plus. J'ai vu qu'il y avait pas mal de missions illégales dans le lore, j'ai l'impression. Je me promets, je vais manger trop d'amandes, ok. Bon, du coup, le crash, je sais pas trop à quoi il est dû. Bon, le rapport, j'ai l'impression qu'il a été envoyé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça. On libérera un petit peu de la RAM. Oula, du coup, je vais être où? Bon, ça va, mon vaisseau n'était pas dans la trajectoire d'un obstacle. Oula. Alors déjà, je suis de travers, mais j'ai l'air d'être à... C'est bon, à 10 km d'altitude. Ah, par contre, il m'a perdu ma destination. Du coup, c'est par où? C'est par là. Bah là, on est plus soumis au champ de gravité, du coup, on est allé assez loin. Donc, c'est parti. Ah oui, c'est parce que, oui, je dis, mais je suis de travers, mais pourtant, je suis dans l'espace, je peux pas être de travers. Mais c'est parce qu'il y a encore l'assiette de la planète d'où je viens. C'est pur ça. Du coup, je m'aligne par rapport à l'alignement des planètes.
Tu as de la contrebande et assassinat, entre autres, trafic de drogue et d'esclaves pauvres. Ok. C'est bon, là, je me suis assez éloigné de la planète, là, non? Vous pouvez m'enlever l'assiette. Du coup, nous sommes alignés, nous sommes loin. Par contre, la vitesse est peut-être... Bizarre, j'arrive dans 8 minutes et... Ok. C'est pas clair. Est-ce que je dois déjà commencer à décélérer, peut-être? Ouais, ma vitesse, elle est dans le bleu, hein. Une minute, ça me semble un peu loin, c'est peut-être parce que je m'éloigne de la planète. La planète était pas si loin que ça de la station. Relève un petit peu. Ok. Allez, on est presque à 7 km. C'est un plaisir de vous revoir, commandant. Je vais être un peu vite quand même. Plateforme 28. Plateforme 28. Elle est là. Je suis là, en plein devant la porte. Is ok. Une station Ulysse 31. Allez, tout doucement. Ça va. On va rentrer. Et on va voir. Ok, repérer une petite mission. On va faire le plein. Pour le peu qu'on a perdu. Tableau de mission. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant à la surface d'une planète? Tu vises quel vaisseau actuellement? Aucun. Ça peut te répondre. Je vise pour déjà garder celui-là en un seul morceau. Tout doucement. donc d'accord, nous avons deux missions dispo ici. Non ? Ah oui, bah oui, elles sont ouvertes déjà. Voilà, j'avais cette mission avec le petit symbole à droite. Je sais pas si on voit mon curseur, voilà. Je me demande si ça, c'est pas tout simplement le symbole de l'extension Horizon et du coup, c'est les missions propres à l'extension. Bon, par contre, c'est pas un truc de légal, parce que j'ai vu frappe contre les sociales Akbulun for Equality Goliath. Alors, vraiment taper les gens peut-être avec le petit buggy. Nous avons besoin de votre aide pour éliminer un Goliath. Bah, Goliath, on l'a vu justement, c'était un des drones qui se trouvait à la surface de la station. Ouais, elle est cool. Ça fait un an que j'ai pas joué, j'ai pas regardé. Je me suis pas retapé l'intégralité du catalogue de vaisseaux disponibles. de la faction Social Agbloon for Equality. Est-ce qu'elle est... C'est une faction qui est là, ça? C'est ça, ouais.
Bah eux, de toute façon, ils sont en neutre pour l'instant, donc s'ils m'aiment un peu moins, c'est pas grave, hein. On va continuer avec ceux de la fédération qui m'aiment bien. Par contre, est-ce que c'est des fédérations, eux, ceux que je vais potentiellement attaquer? Ah oui! Donc c'est pas dit que la fédération le voit bien, mais au pire, voilà. La fédération sera contente parce que j'ai fait la mission avec eux, mais elle sera pas contente parce que j'ai tapé un copain. Donc ça s'équilibre. j'ai bien pas joué depuis 8 mois, ça revient vite comme le vélo, ok. Donc trouver vos cibles dans la colonie. Alors ce que je me dis c'est que les colonies c'est vraiment ce qui est posé bah, sur le sol d'une planète. Et contrairement à une station qui est une station d'où on peut décoller éventuellement sur une planète, et que là on a le statioport, c'est une station mais qui est dans l'espace. Je sais pas si je fais une bonne interprétation de l'orthographe de chacun des endroits. Vous venez récupérer la récompense. Alors, ces actions sont considérées comme illégales dans la plupart des systèmes. Vous pourriez vous retrouver face au vaisseau des autorités. À mesure que votre réputation évoluera, voilà, on vous proposera des missions. Voilà. On aura un alliage trempé en récompense et la réputation augmentera. Alors, plutôt, la récompense, je m'en fous, c'est juste histoire de faire une mission et d'augmenter éventuellement la réputation que je vais commencer à monter. Hein. Nombre de cibles, un Goliath. Il me reste un jour et 17 heures, je pense que ça peut le faire. Donc, ça, c'est une mission que je peux faire en surface, on est bien d'accord. J'ai dit vélo, Neko va débarquer. Donc je vais l'accepter. N'hésitez pas à me le dire si je fais une erreur. On la refusera ou on la laissera errer. Et du coup, est-ce qu'on en ferait pour une autre. Est-ce qu'on n'en prendrait pas deux ou est-ce qu'on se contente de faire juste celle-là histoire de ne pas avoir 26 000 quêtes à faire? On peut voir peut-être du côté de la fédération éventuellement. Alors là, c'est juste. Données commerciales, contrat de récupération pour une raffinerie. Des données commerciales, donc en fait faut juste aller dans la station, c'est ça? Parce que ça parle de cargaison, mais est-ce que pour eux la donnée commerciale c'est une cargaison? Possible que vous ayez affronté des vaisseaux aussi. Ah, c'est vrai que j'ai pas refait de combat avec mon vaisseau, je sais pas trop ce qu'il a équipé comme arme. Faut qu'on regarde vite fait dans une zone un peu à l'écart. On déplora les points d'empereur. En évitant de viser quelqu'un, histoire qu'il le prenne mal. Ah par contre, voilà, j'ai pas le rang qu'il faut. Problème. Ah bah non, pourquoi ça met un sur 1 du coup? Le rang de la mission voyageur est supérieur. Ah, c'est un rang recommandé, c'est pas un rang obligatoire. Donc elle risque d'être un peu dangereuse pour moi. Café avec le Hador, tu as peut-être des armes pour... Bah, je crois que j'ai des lasers, j'ai pas de munitions de balles, on va dire. Et je crois que les lasers, c'est mieux pour les boucliers et les balles, mieux pour la coque. Du coup, j'ai pas des armes adaptées à la coque, en fait. Mission terrestre poseront pas problème car tu es un baguet. Est-ce qu'on a d'autres de la fédération? Non, bon, au pire on va faire que celle-là, puis au pire on ira sur une autre station, voir s'il y a d'autres missions. Et des objectifs communautaires aussi, il faut ramener des ressources, je sais pas si c'est loin. Donc on va déjà faire la mission qu'on nous a demandé, puis c'est tout. Ce sera déjà pas mal. Alors du coup... frappe contrôlée, sociale, machin. Donc il faut que j'aille à McDaniel Mine dans le système Hackbloon. Ah bah ouvrir la carte de la galaxie si ça peut me montrer directement où c'est. Ah d'accord, c'est carrément un système éloigné, d'accord, c'est pas dans le même système. Mais c'est un système proche, hein, 8 années-lumière. D'établir l'itinéraire. Échec, d'accord. Très bien. Peut-être parce qu'il n'y a qu'un seul saut à faire. Est-ce que je peux avoir la carte? J'ai aucune donnée. Je peux pas les acheter. Ah, je peux rien, absolument rien voir. Acheter les données d'exploration pour 1000. Ouais, vas-y. Tu as deux canons sur la dehors, il me semble en combat, ça peut devenir drôle. Bah moi j'ai trois poils en port, je crois que j'en ai deux petits et un gros. Donc du coup c'est là que je dois aller, c'est ça. Et voilà, Jack Daniel mine. Bon, il veut pas faire d'itinéraire, donc on va faire juste la destination. Peut-être parce qu'il n'y a qu'un seul saut, hein, c'est juste à côté. Ok, donc là ça doit être bon. Hop. Retour en surface.
et décoller ASAP. Tu arrives à gérer des vaisseaux multiples en adore, GG, tu es un champion. J'ai fait le tuto où il fallait éliminer plusieurs vaisseaux, ça a été une catastrophe. Oula, calme-toi. Ok, on va s'éloigner de ça, de cet endroit. Excès de vitesse, sérieux? C'est possible. Oui, tout est conforme. Je vais faire un truc d'illégal, mais tout est en ordre. Nous n'avons rien à vous reprocher, commandant. La prochaine fois, peut-être. Oui, j'ai hâte. Au retour. J'ai peut-être rentrer les trains d'atterrissage. Histoire d'aller plus vite. Avec moi perso, je change mon T7 de livraison pour un Viper blindé jusqu'à la moelle. Certes. Alors le problème, voilà, c'est que on va éviter d'aller dans cette direction. Éloignons-nous de la station. Je crois que je me rapproche plus ou moins là. Alors du coup, pour déployer les points d'empereur, c'est X, je crois. Ouais, déploiement points d'empereur, ok. Ah du coup, non, j'ai les trois lasers, ok. J'ai les trois lasers qui tirent dans le même truc d'armes, ok. Pour passer aux armes, groupe d'armes suivant. Détecteur de me. Ah, c'est même pas ouais de découverte ça. Qu'est-ce que j'ai comme détecteur? Détecteur de manifeste, ok, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je sais pas ce que ça fait. En tout cas, je suis reporté. Ah, est-ce que c'est pas pour voir les cargaisons? Non, je sais plus. Ok, en gros, j'ai deux groupes d'armes, ok. Très bien, on va ranger au cas où. Au cas où quelqu'un le prenne mal. Je tue personne, mais je meurs pas. Ouais, c'est surtout au cas où on se fasse attaquer en chemin, quoi. Allez, direction Agbelun. Le soir dépasse la limite de carburant de 1,2 tonnes. What? Et alors je passe par où? Ah, tu vas me dire que la planète elle est totalement inaccessible pour moi de n'importe quelle autre station? Qu'est-ce que c'est ce beau gel? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi je peux pas sauter? Genre, ce truc est trop éloigné de n'importe quel système, ou... Le problème, c'est qu'il me fait aucun itinéraire, il y a un truc qui doit pas coller, je pense. Ou alors, je vais un truc trop loin, je sais pas. Ouais, là, il me le fait, il n'y a pas de souci. Et pourquoi Veracbolo n'y veut pas? Tu as raison, oui. Sinon, j'aurais pas pu aller sur la planète, je pense. Ouais, il arrive pas à me faire l'itinéraire. Ah, est-ce que j'ai un vaisseau qui me permet pas de faire un saut aussi grand, même si je faisais un gros détour de l'angoisse, ça serait genre un système isolé. C'est bien la première fois que ça réussit pas à me faire un itinéraire. Genre là, il y a Ravi qui a l'air un peu isolé. Ouais, là, pareil. Soit tu as pas assez d'essence, soit le moteur trop moyen. Ah mais c'est bien la première fois que ça m'arrive ça. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il arrive pas à faire l'itinéraire.
Il s'éteint suite à les lumières et mon truc maximum de saut, ça doit être genre 7, quoi. Où est-ce que je peux le voir, ça? Ma distance de saut. Est-ce que je peux voir ça, genre à droite? Si, sur la carte de la galaxie, on pouvait pas le voir, ça? Après, les composants de ton chip, ouais, c'est ça, d'accord, ok. Regarde le nombre d'années-lumière. Ou essaye de faire une route. Ouais, mais apparemment non. Hein. Distance 8-16. Je sais plus où je peux voir ma distance à moi. Ah bah voilà, portée saut, 7-78, donc c'est ça. Ok, bon, bah on va voir si je peux améliorer. S'il y a ce qu'il faut dans la station. S'il faut que je change de vaisseau. Ok, bon bah demi-tour. On va retourner à la station. Hop. Ah oui, ça doit être un truc de base facilement. Par contre, est-ce qu'on ressaute pour 3 minutes? C'est un coup, est-ce que j'allais trop loin? Oh, si je mets 2-3 coups de turbo, ça devrait le faire. Ah, mais je ralentis du coup. Là, c'est même pas dit que je gagne 30 secondes sur mon trajet. Si je gagne 30 secondes sur mon trajet, ok. Ça, je dois pouvoir le voir, ça. Est-ce que ça donne la classe? Ouais, bah regarde. Ça va être quoi, tu m'as dit? Le moteur FSD. Réacteur FSD 3E. Donc oui, c'est un E. Ça lui fera pas de mal. Pas avoir les infos sur la planète. Par plus de légèreté, vise le dé pour la puissance, va au-dessus et pense au générateur en conséquence. Ouais, j'imagine que ça se trouve, il y aura d'autres choses à changer aussi pour que ça soit encore viable. Ok, du coup, on est bon. Non, je voulais. Voilà. Plateforme 42. Je suis complètement à l'arrêt, d'accord. Juste là.
Faut que j'ai survolé notre plateforme, ils ont pas dû aimer. service de stationneur. Ah, je t'ai pas rentré. Donc tu disais moteur FSD. Et un générateur éventuellement. Si ça consomme trop. Donc il fallait faire 8-16, c'est ça? Le problème c'est que j'ai perdu ma cible. Voilà, c'était un saut à 8-16. On va prendre même un peu de marge si on peut. Équipement. Alors ça va être dans quoi ça? Interne primordiaux. Propulseur, générateur, réacteur FSD du coup. Je pense que tu voulais dire. Classe 3. Note E, ouais c'est ça. Parcourir la boutique. Nous avons du 3D, du 2E, de C, de B, de A. Je crois qu'il faut que je reste sur du 3 et que j'aille genre vers du A, du B, du C, quoi. Alors, peut-être pas du A, parce que ça coûte un peu cher. Par exemple, si je prends un 3B... où est-ce que je vois ça? Ah, voilà, saut minimum actuel et max. Donc là, je serais à 12-14, ce qui serait assez. Là, je... Oula. Ah oui, parce que c'est un 2. Là, je serais à 10... Mais ce serait 3 fois moins cher. Là c'est un 2, là c'est un 3D. Voilà, je serais un peu juste. Là, c'est un 2, donc ça va être voilà, clairement pas assez. Ça, ça doit être ce que j'ai déjà. Les 2, ça va être trop petit à nouveau. Ok, ouais, donc en gros, faut que je parte soit sur le 3B, soit sur le 3C. Au pire, je vais viser le 12 directement. Où je perds un peu en vitesse, c'est ça. Je passe de 217 à... Ouais, je perds 1 mètre par seconde, c'est bon. Ça consomme pas bien plus, j'ai l'impression. Enfin, 58% de plus, mais faut croire que ça consommait pas bien de base, en fait. Carburant max par saut. Ah oui, c'est ce qu'il disait, là. Une tonne d'eau. Genre, il fallait une tonne d'eau par saut. Et là, je serais à une tonne 5. Donc là, je serais pile, alors que là, j'aurais une marge. Moi, je pense qu'il faut que je parte sur le 3B, hein. Je vais perdre moult pognon, mais bon, faut bien qu'il serve à quelque chose. Qu'est-ce que t'en dis, Kiro? Après, je sais même pas combien rapportait la mission qu'on allait faire, à vrai dire. Go! Ok. Faut pas ton nom pour le 3B. Ok, laser blanc. Le 3B, c'est parti. Reprends le focus. Le problème, c'est que je vois plus ça. Voilà, parfait. Bon, avec tout ça, je pense qu'on va faire qu'une mission aujourd'hui, hein, comme c'est parti. option d'achat, parce que... Ah d'accord, attends. Ah non, je veux dire, c'était 169 000 si je reviens l'ancien module. L'ancien module, on va pas le garder pour le prix qu'il devait coûter. Voilà, je le vends à 6 000, donc si je veux le racheter, au pire, il me coûtera 10 000, quoi. Donc, ouais, on va faire échange. Toujours ça de prix. Ok. Du coup, est-ce que je regarde pour un réservoir de carburant pendant que j'y suis? Parce que vu que j'ai mis plein de modules, j'ai plus trop de trucs en réserve. Ah bah j'ai que du 3C en fait, donc j'aurais jamais mieux. Ok, bah y'a pas mieux. Bah c'est vite vu.
Ok, bon, bah, de toute façon, l'alimentation est assez costaude pour supporter le nouveau module, donc on va repartir direct. Ah, prendre un récupérateur. Ouais, mais récupérateur, il va me falloir un slot pour ça, je crois. Équipement. C'est dans les optionnels, je crois. Parce que dans le primordial, je pense pas qu'il y ait de base. Partir de puissance, non réservoir. Interne optionnel. Qu'est-ce que j'ai? J'avais un compartiment de soute. Générateur de bouclier, le hangar de véhicule. Un autre compartiment de soute. Donc éventuellement, je suis peut-être pas obligé de l'avoir, d'en avoir deux. Détecteur découverte simple. Et ça qu'on peut pas enlever. Donc j'aurai la place de la soute 4. 4 places. Je sais même pas comment on s'en sert de ces trucs d'ailleurs. Parcourir la boutique. Ça va être dans quoi ça? Récupérateur de carburant. Tac tac. Et je file, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Ah bon, qu'est-ce que je voulais faire, Mathieu? Oh oui, du Stardew Valley. Ok, bah bon jeu et farme bien. Taux de récupération de plus en plus élevé. Ah par contre ça consomme plus apparemment que ce que j'avais. Oui forcément, une soute ça va pas consommer. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des 1A, donc ça je pensais pas le bon plan. Temps de chargement, consommation, taux de récupération. Après est-ce qu'on a besoin forcément d'y récupérer notre carburant, de faire notre plein en 20 secondes au lieu de 30 secondes? Après c'est pas cher, c'est juste que ça va consommer plus. Il y avait que du 2, il n'y a pas de 3. Allez, je suis là avant de me faire tuer. Faire la bourre aussi, mais t'es un live du coup, je choisis Stardew. Le moins cher, tu penses, ouais? Pas trop s'embêter à prendre des trucs hors de prix. Genre le 1E. Ou un qui consomme pas trop, bah ça va être le moins cher. On part sur ça. Récupérateur de carburant à 309 crédits. On va garder le compartiment en dessous, je pense que ça peut resservir si jamais on veut reswitcher. Si j'ai plus envie d'aller sur les planètes et que je repose mon module de véhicule. Ok, bah on part sur ça. Un E. Option d'achat. Ah bah non, on vend pas le compartiment de soute. Donc voilà, remise en gare. Entreposer ancien module. Alors, par contre, je sais pas du tout comment ça sert. Est-ce que ça s'utilise tout seul quand on est vers une planète? Ou est-ce qu'il faut faire une combinaison de touches? Ou déployer un truc en particulier? Ça, j'en ai aucune idée. J'ai vu des gens l'utiliser, mais j'en ai jamais eu moi. On va faire le plein pour décréter. voyons voir. Normalement, je le retrouve là-dedans. Récupérateur de carburant. Priorité 1. Actif. Affiché info. Voler près du soleil avec un récupérateur actif pour ramasser du... Ah bah ça doit se faire tout seul en fait. Ça se fait tout seul? Ah oui, je savais que c'était près du soleil, mais je savais pas si c'était automatiquement ou s'il fallait le déclencher manuellement avec... Avec une touche ou un truc comme ça. Ok, donc là théoriquement on a tout ce qu'il nous faut. Si je fais maintenant un itinéraire, il saura me le calculer parce que mon vaisseau peut faire des sauts assez grands. Oui, c'est là. Ah bah du coup il me l'a fait déjà. D'accord, voilà, en un seul saut tu arrives là. D'accord, en fait ça m'était jamais arrivé d'aller à des planètes qui sont à des systèmes qui sont trop loin d'un autre système et qui soient du coup isolés du reste. Alors peut-être que depuis que j'ai le Hador, j'ai peut-être perdu un peu en distance, je sais pas. Et du coup, bah vu que là j'ai dû aller un peu plus loin, bah voilà, ça passe pas quoi. Ok. Bon, du coup, Kiro, je pense qu'on l'a perdu au final. Et décollage. Était un petit peu trop près. Ok. Et eh ben allez. Et que cette vitesse, comment ça? All clear. Take care, Commander.
Alors, je suis sorti du champ de gravité, mais je crois que ma destination est en direction de la station, donc je vais sûrement y retourner dedans. Ah non, même pas. Ok, dans plus d'un an, on y est. Bah, go. Préparation au saut. Essor économique. D'accord, petites infos. Ça n'était pas ça avant, si. Ça, ça donne des informations au système, sur le système. C'est parti. Bonjour soleil. Ah merde, et ça m'a pas... Non, je crois que j'ai pas mis de destination. Je crois que le récupérateur de carburant s'est mis en route tellement ça m'a mis proche du soleil. Juste ralenti un peu, mais je crois que j'ai pas défini plus de destination que ça. Bon, c'est moi ou mon joystick il a... Ouais, oh, putain, mon joystick a un problème de... zone morte. C'est vrai que je le configure éventuellement. Du coup, cible. Ça, il tourne tout seul mon vaisseau. Allez, j'ai juste ouvert la carte de la galaxie, mais... vu système. Voilà. Il faudrait que je définisse directement la destination là-dedans, en fait. Je pensais qu'en cliquant sur la mission, ça m'aurait tout mis bien comme il faut. Voilà. Là, au moins, c'est bon. Bah, c'est, c'est de l'autre côté. Attends, vas-y, ralentis. Commande. Vol, rotation. Ah, zone morte. On va... Je pense que les deux, hein, de toute façon. On va voir si c'est bon comme ça. Voilà, déjà, je mets des petits coups en éloignant du centre. Ça bouge pas. Bon, bah voilà. Parfait. Alors du coup, c'est là-bas. Ok, on y est dans... un peu moins de temps si j'accélère. J'ai peut-être un peu trop vite, d'ailleurs. C'est la version PC. Aller un poil plus vite. Pourquoi c'est gris? Parce que c'est genre à l'arrière de la planète? Première fois que je vois un truc de cette couleur. Attends, ma destination c'est... Oui, c'est la McDaniel Mine. Il y a trop de planètes. Ou est-ce que c'est pour dire que c'est planétaire tout simplement? Mais vu comme c'est sur le bord... Moi je sais pas, c'est pas clair. Ah c'est ça? Oui c'est pour indiquer que c'est pas visible et que c'est... Ouais en arrière-plan ça ferait sens d'avoir mis des pointillés, ouais. Ok c'est à l'arrière. Donc on va faire le tour. Bon vu que c'est mon terrain un peu sur l'eau, je pense que ça doit être juste... Il doit pas falloir tourner bien... Bien. Ok.
Je sais même plus ce que je dois faire ici. Si, je dois casser les choses, je dois taper un Goliath. Voilà, pour éliminer un Goliath de la faction. Ok. Je suis peut-être trop freiné là par contre. Est-ce que c'est comme dans No Man's Sky si je reprends un peu d'altitude et ça m'enlève la sécurité de vitesse et je vais un peu plus vite. Sortie de l'orbite de croisière. J'ai de la pression de descente, trajectoire trop plane. Ah merde. Oui, parce que je suis remonté en gros. Ah mais là je vais mettre 20 ans pour arriver là. Je vais juste mettre 120 ans là. Les cellules aller à son propre rythme, il en prendra plus plaisir. Coucou RM, la balade. Pas la performance. Ah bah là pour le sûr, là on est parti pour se balader 5 minutes là. J'étais trop loin quand je suis descendu. On va remonter. On va se remettre à 45 degrés. Ouais, faut vraiment arriver en gros à la verticale de la station si on veut optimiser. Je vais finir par la dépasser là. Non, non. Bon, je vais monter à angle droit. Ça ira plus vite. Ou est-ce qu'il faut que je réactive le FSD carrément? Je vais arriver trop vite si je fais ça. Bon, encore trop éloigné. Bah oui, je suis à 40 km. Je pense que ça va me faire drôle si je fais le FSD puis que je dis allez, je redescends tout de suite. Attends. Ah, c'est même pas marqué surface en fait, c'est autre chose en fait la distance calculée. Parce que là j'ai l'impression de. Si c'était l'altitude, là je vois que c'est à 47 km, ça veut dire que je fais du surplace. Ouais, je vais mettre 20 ans là. Je suis perdu. C'est pas clair ce qui se passe. Descends dessus, normal si ça prend du temps la première fois. Ok. C'est pas clair. Je sais même pas si c'est un Q ou un O en fait. À côté de la distance. Ok. La distance qui se réduit à 2 à l'heure, quoi. Bon ça, on est passé de 5 minutes à 2 minutes 50.
Parce que quand on est proche de la surface, ça met surf, et du coup, on sait que c'est l'altitude où on est. Mais là, je voyais que ça montait pas, c'est-à-dire que je montais à la verticale, et mon vaisseau n'est pas assez de puissance pour gagner de l'altitude, ça serait surprenant quand même. Surtout à 0,27G. Au contraire, ça devrait être assez facile. Ah bah voilà, là c'est écrit surface pour le coup. Et pourtant, ça a l'air d'indiquer la même unité de distance. C'est-à-dire qu'en arrivant, faut vraiment se mettre à la verticale pour optimiser la distance d'approche, et quand tu repars, t'as pas besoin forcément d'être à haute altitude, t'actives le FSD à la direction opposée de la planète et ça va tout seul. Le problème, c'est que si tu mets le FSD, bah, pour revenir, bah, t'es obligé de te remettre hyper loin, de faire le demi-tour et de faire la... refaire toute l'approche. C'est vrai que c'est pas comme une station. T'as pas le FSD à désactiver, puis tu reprends une vitesse, on va dire, normale. Là, c'est ralenti, c'est une approche assez bizarre. Habitué. Bon, j'ai le temps d'aller me chercher à boire, là. Je pensais activer mon turbo aussi, on gagnera peut-être un peu de temps. Profitons-en pour admirer le paysage. Les textures ont l'air très détaillées. Au début, je pensais que c'était des nuages pour le coup. Mais non, j'ai l'impression que c'est la surface de la planète. Là, tout de suite, t'as une station à côté, t'as un relief un peu plus détaillé, j'ai l'impression. Encore 2 minutes de bonheur. Enfin, ça va, moi j'en suis à une là. Je pense que mon assiette est un petit peu trop élevée. Mais bon, si on doit taper des gens là-dedans, on va éviter de se poser juste à côté, je pense. Parce qu'à 6 km, c'est une bonne idée, le turbo. Ouais. On va pas si vite que ça. Peut-être amorcer un petit ralenti, déjà. Ah oui, 2 km, là... ça descend assez vite. Ils ont mis un petit graphique pour m'indiquer à quel point je descends vite. Impact, ça c'est mauvais signe. Ok, plusieurs cent... Alors, arrête-toi pas non plus. Et puis en plus, je descends une pente, ce qui fait que la distance se réduit encore moins. Ok, train d'atterrissage sorti. Ah, je suis pas droit. Non? Oui, non? Eh, mais là, il va me dire que je peux pas, si? Bah, terrain inadapté. Ok, avance un petit peu. On va attendre que ça devienne bleu sous nos pieds. Là, par exemple. C'est bon, je suis à l'arrêt. Ok. On est bon. Déployons le petit scarabée. Il est 3h20, tout va bien. La mission la plus longue de Twitch sur FTL. Et pourquoi à chaque fois il veut m'enlever l'ABS double airbag voilà. Et moi la direction assistée, déjà que j'ai du mal. Ah, déjà je suis bloqué sur un truc. Module non fonctionnel, vaisseau trop proche, formidable. Ouais, y a pas le frein à main. Ok, j'ai bloqué mon vaisseau en 2 secondes, parfait. Ah, voilà, ah d'accord, ok. Ah, c'est peut-être...
Vous allez me dire que c'était le plafond du vaisseau qui me bloquait. Vous êtes sûr que le terrain était adapté pour cette... Ah, ok. Mais je crois que c'est le toit du truc qui touche, hein. Clairement, parce que là, je monte. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Oh là là. Je crois que je vais redécoller, hein. Je crois que je peux clairement pas déployer ici, là. Non, même si je pars de l'autre côté. On va essayer de se poser ailleurs ou dans l'autre sens. D'ailleurs, comment... Est-ce qu'il y a moyen que j'embarque, d'ailleurs? Non. Est-ce que là, je suis en position pour embarquer? Oui. Ok. Ouais, parce que voilà, on a le vaisseau qui est à plat et ma sortie, c'est là, quoi. Bizarre. On va se tourner. Puis longuement sur RS pour décoller. Ah, viens. D'accord. Oh mon dieu, la rotation qui va prendre 20 ans. Non, on va aller plus loin. Je suis à combien là de... Calme-toi. Je sais pas si ça sera mieux là, mais bon. J'aurais aimé aller plus loin, mais vu qu'il a voulu se poser. On va voir, hein. Voilà. Parfait. Ok, la station, je sais plus, elle doit être là-bas. Non, ça c'est le frein à main. On y arrive. Salut le glouton, comment ça va? Vous avez des news de Shumi? Pas spécialement. Il m'a pas appelé. Ok, donc c'est par là. Y'a rien à loquer là-bas? Ne serait-ce que la station. Ce relief de l'angoisse. On va y aller doucement, hein. Ça a pu faire une route. Oh putain. Ça y est, je regarde. Ça y est, j'arrête de regarder la route deux secondes. Enfin, la route. Vous avez compris. On va aller doucement. Je me demande comme c'est des habitués du jeu et que ce streamer a disparu. Ah bah c'était pas le même Shumi alors qu'on parlait. Disparu depuis un moment. Je ne sais pas. Oui, c'est pas X pour target un truc, mais je dois être trop loin. Ah, j'ai trouvé. Ouh, c'est bien rouge. Je sens que... Dès que je vais rentrer dedans, ça va être l'angoisse. Alors attends, juste... Voilà, la touche pour tirer, c'est ça. Détecteur de liaison, ok. Ah, une cible apparemment. Tourelle de défense. Intrusion enregistré quitté pour éviter les sanctions, très bien. Est-ce que la tourelle, je peux la défoncer ou est-ce qu'elle va m'allumer elle-même? Elle est peut-être un peu loin. Hein. Non, mais pas le... Chaque fois que je vais vouloir viser quelque chose, je vais mettre le frein à main. Hein. Je préviens. Je vais essayer de tirer dedans pour voir. Je fais beaucoup de dégâts. Ah, par contre, il faut que je la regarde. Hein. Ça tombe vite. Ah mais merde, j'ai pas tombé par contre. Voilà. On se casse. Deux secondes. Ah d'accord, donc si le bouclier sert bien à quelque chose, mais juste pour les tirs. Si on prend des chocs, ça le bouclier sert à rien. Non, pas le frein à main. Roule droit. On va aller moins vite, hein. Quitte à mieux se faire toucher. Est-ce que je vise quelque chose là au moins?
Ok, mon vaisseau est en train de prendre cher. On va se casser de là 2 secondes. On va se mettre en portée des tourelles, comme ça au pire on a juste les petits drones. Ah mais ça recharge l'arme? Qu'est-ce que ça fait? Attends, je confonds toutes les touches. Faudrait que je récupère mon bouclier idéalement. Manœuvre d'esquive et pour éviter de me prendre des rochers. Ok, mon bouclier est revenu. On va se mettre à fond sur les armes parce que sinon j'ai l'impression que ça tire pas. J'ai remarqué que j'étais attaqué. Ah, attends, elles sont les tourelles. Ça c'est le frein à main, encore une fois. Voilà, je l'ai. Ah ouais, si je mets pas les armes à fond, ça met 20 ans pour tirer quoi. Ah, j'ai tombé ce bouclier, allez. Ah, par contre, là, je me fais attaquer à nouveau par la tourelle. Et mes boucliers sont HS. Les siens, ils ont rechargé en 2 secondes, quoi. Je suis qu'à 45%. Ah, mon bouclier est revenu, mais il va pas durer, je sens. Puis on va se mettre en équilibré. Si tu pouvais rouler droit, Buggy. Voilà. Ok, bon, les ennemis, maintenant, ils sont où? Ah, le frein. Ah, je vais remettre peut-être une vue plus resserrée sur la vue, c'est peut-être pour ça que je vois pas les drones. Arrête avec ce... J'en peux plus de ce frame. Voilà, vise ça. Ok, mes boucliers sont HS, les siens aussi. C'est peut-être moi qui vais mourir en premier. Enfin, je vais sûrement décéder. Hein. Il est 31%, moi 17. Je l'ai perdu de vue. Est-ce que je lui tire vraiment dessus, là? Bon, allez. On va décéder. Je lance... Ok, manette du coup. Je suis recherché. Attends, je suis où? Ah d'accord, je suis retourné au vaisseau qui entre temps a décollé quoi. Du coup je suppose j'ai plus de véhicule en l'état. Attends, elle est où la station? Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Quel temps fait-il? Où suis-je? Y'a rien à l'horizon. attends, elle est où la station? Ma carte du système, même carte de la planète, hein, si tu veux. Ok, je suis censé être juste à côté. Sectionner destination, ok. Bah elle est où? Quelle est la station? Ah bah attends, je la cible là. Enfin non, bah elle est ciblée mais je la vois pas. Est-ce que je suis... Est-ce que c'est moi qui suis bigleux ou bien... Non, je l'ai pas déployé. Mais elle est où? Attends, si je vais là-dedans. Que je vais dans... Aucune cible à porter, ok. Du coup, j'ai une prime de 2000 crédits.
Voilà, machin, haute sécurité, 16 km. Verrouiller destination. Et là. Elle est là. Ben, il aurait pas pu me l'afficher, elle est juste devant moi. Alors du coup, est-ce que on part du principe que je contrôlais mon vaisseau à distance et que je n'ai plus de véhicule? Ou est-ce que je peux redéployer à l'infini? Il faut genre que j'aille le recharger ou le racheter? Comment ça se passe? Hangar à véhicule planétaire. Il y a le hangar, mais est-ce qu'il y a le véhicule? Ça, c'est la bonne question. Afficher info. Ouais. Module conçu pour abriter machin. Ça se trouve, je l'ai plus mon véhicule, ma soute elle est juste vide. Et comment je fais pour le savoir ça? Ah bah attends, peut-être là. Ah bah voilà, vide. Alors il y a rien dedans, mais le bouclier est à 100% et 44% de carburant. Donc on est d'accord, j'ai pas de scarabée, faut que j'aille en chercher un. J'ai jamais perdu ton buggy. Ok. Bah, je pense que je vais partir du principe que j'en ai plus, hein. Vu qu'il s'est fait déglinguer et que là, ça me met vide. J'irais bien tenter de me poser pour juste vérifier l'info, mais... Bah, vu le temps que ça a pris la dernière fois pour se poser. Ah, je pense que je l'ai plus, hein. Je pense pas qu'il se refabrique tout seul dans la baie, hein. Ça pourrait, mais bon. Vu les indications qu'on a... Parce qu'au pire, le Goliath, est-ce que je peux pas le défoncer avec mon vaisseau? Ça serait peut-être plus efficace. Terrain, oula, tout plat. Est-ce que ça existe ici un terrain plat? Ça a pas l'air. Hein. Peut-être un peu plus par là-bas. Or que. Ah, ouais, c'est que je devais être. Encore être au-dessus. C'est pas plat là? C'est de ma gueule. Ah! Peut-être parce que j'ai pas mis le train d'atterrissage aussi. Ah, ah bah si. Apparemment c'était bon. Du coup, si je fais ça, ça va me dire... Ah bah non, y'a rien. Ok, je peux pas déployer donc y'a rien. Ok. C'est un 3000 mais tu as perdu je pense. Ouais, eh bah non. Ah ouais, tenter de la station au vaisseau, ouais je sais pas si c'est faisable. Parce qu'on est d'accord que l'objectif, je l'ai pas déglingué le machin, il est pas activé, il est pas validé. Je l'ai bien descendu, mais ce n'est pas assez. Bon, on va regarder, voir juste pour voir si c'est possible. Déjà, je peux déployer mes points d'ampleur. Ah, peut-être que je pourrais pas cibler les petits éléments que mon vaisseau ne saura pas reconnaître, peut-être. C'est peut-être ça, l'arnaque. Alors c'est moi où il met la mine machin et à 3 km vers là-bas. Ah non, c'est un siège à haute énergie, ok d'accord. Et du coup il veut plus il me l'a déverrouillé du coup le machin. Oui parce que je l'avais pas verrouillé à la base. Ah bah c'est bon, c'était bon, verrouiller de destination. Attends mais je l'ai dépassé déjà? Combien de kilomètres? 2 km de la surface, ok. Ah bah, je dois être juste au-dessus en fait. Ah bah voilà. Elle était là. Thank you.
Cible suivante. Non. Est-ce que je cible... Il y avait pas un truc... Ah voilà, sous-système peut-être. Non, même pas. Je peux apponter à ce truc. Bon, ils vont pas vouloir parce que je les ai un peu défoncés, mais... J'ai l'impression qu'il y a des petites plateformes devant. Peut-être que je me rapproche. J'ai l'impression de voir une des... Ok, il considère que je suis en intrusion, du coup. Moi, je peux même pas changer de cible. Je les vois, les tourelles. Hein. Elles sont juste là. Oh, missile en approche. Sorti du périmètre défensif. Par contre, j'avais pas de paillettes pour esquiver le missile, moi. Je me suis toujours le missile. J'ai peut-être trop vite pour le missile. Alors, je crois qu'il s'approche là. Ouh. Mon turbo va plus vite que le missile, c'est déjà la bonne nouvelle. Et du coup, je pense qu'ils utilisent des moyens défensifs un peu plus violents. J'ai potentiellement un vaisseau hostile maintenant, par contre. Je crois que le missile revient. Ah, le missile a touché mes boucliers, ok. Est-ce que c'est un vaisseau qui me défonce ou... D'accord, ok. Putain, le missile. Ok, je prends cher. Pourquoi je me déplace à 2 km/h par contre, ça je sais pas. Non, j'ai pas mes trains d'atterrissage. Là, ils vont réussir à déglinguer mon vaisseau, quoi. D'accord, en fait, il m'a désactivé des choses, c'est pour ça que je me déplace pas aussi vite. Bon, bah, je crois... Ok. C'était une mauvaise idée de l'attaquer à pied. C'était le mauvais plan. Parce qu'en plus, je pouvais même pas attaquer ce qui m'attaquait, bizarrement. Ah, moult réparation. Je vais demander mon sidewinder. Je vais reprendre le sidewinder. Oui, on va tout reprendre. Hein. On va tout racheter. Confirmer 24 000. Ça va, ça coûte moins cher que le... que le FSD que j'ai acheté tout à l'heure. Bon. Bah du coup, c'est bon, on a un vaisseau... On a... C'est une astuce pour récupérer plus vite mon buggy, évidemment. Donc là, si je vais là-bas... Voilà, il y a le scarabée VRS. Bon, est-ce qu'on se la retente du coup? Il reste 20 minutes. On va peut-être pas se lancer dans autre chose. Mais tant qu'on organise ça, ça sera déjà la fin. Je suis où du coup? Je suis retourné à Bureau de City. Est-ce que j'ai toujours des amendes ou des trucs comme ça? Ou est-ce que je les ai payés dans le même... Je les ai payés. Est-ce que je les ai payés dans le même temps? Aucune amende à payer. Ok. Ah, mais j'ai une prime, mais à... Prime inactive? C'est-à-dire... Je suis obligé de la payer? Après, je sais pas si d'autres joueurs qui voient que j'ai cette prime peuvent me défoncer pour récupérer la prime chez eux. Après, si elle est inactive, je pense que non, du coup. Mais après, est-ce qu'elle s'active en... quand un joueur la localise, ou est-ce qu'elle s'active si je refais un crime plus grave et qui vaut le coup de mettre une prime active? Du coup, je sais plus où c'était. Contrat. Avec le Bogo Clown. Sauf que cette fois-ci, on va aller à la vue du système. On va aller sur la station. Qu'on va essayer d'atterrir cette fois bien à la verticale. Carte planétaire. Non, je voulais pas mettre en favori. Voilà, itinéraire, parfait. Ça, tu m'enlèves ce favori. Mais... Ok, on va retenter notre chance. Hop. C'est bien, tu as le réflexe de voir tes amendes, c'est pro. Ouais, mais vu que c'était pas une amende envers Kadoumiste, je pense que je pouvais pas la payer ici, du coup. Sinon, je l'aurais eu dans les contacts. Docking clamps retracted. Depart when ready, Commander.
Mais vu que si c'est pas une faction, si c'est une faction à qui je vais péter la gueule, est-ce qu'on peut considérer vraiment que c'est... J'ai à la payer, quoi. Genre, je vous fais la guerre, mais je répare les dégâts. Parce que je suis un type sympa, quand même. Comme si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on faisait payer les dégâts qui avaient été faits par les alliés plutôt que par l'Axe. Je sais pas si c'est le bon plan. ah, j'ai une prime. Bah salut. Attends, je vais enlever mes... Voilà. Mais c'est pas chez vous, donc c'est bon. Vous en foutez. Attends, avec cette vitesse. Tout semble en ordre, parfait. Ah oui. Tout va pour le mieux. Ouais, gaffe aux Bounty Hunters. Après, est-ce que pour 2000 crédits, ils vont vouloir me... Ils vont vouloir me chercher les ennuis. Ah, quasi verge. Ok, très bien. Je suis dans un secteur de haute sécurité. J'en suis, hein, et c'est chiant de tuer un type et gagner 2000 balles pour payer plus cher en réparation. Bah, c'est pour ça, viens pas me voir. Pas qu'à faire. On va tester un peu plus le récupérateur de carburant, même si j'ai trois fois rien à récupérer. Ah oui, je vois qu'il est en bas à droite d'ailleurs. Il est indiqué. Voilà. Température 53%, vitesse de réparation. Ok, je crois que je suis allé un peu trop loin, un peu trop près. Non mais tire pas. Ah voilà, mais c'est que les buggy, c'est pas les mêmes commandes. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que je recharge mon FSD, très bien. Par contre, est-ce que je m'éloigne bien du soleil, c'est la question. Apparemment, je suis en orbite, hein. Plus ou moins. Voilà, je vais rentrer ça. Voilà, au Kir, il peut l'ouvrir, le récupérateur de carburant pour moi, on en est. Fallait pas que je passe sous la petite ligne. D'habitude, j'ai tellement l'habitude de m'en éloigner. Je cherche pas rarement à m'en approcher. C'est quoi, c'est l'orbite de sortie ou c'est ma destination, ça? Aligné avec le vecteur d'évitement. Ah, d'accord, c'est ça. C'est un vecteur d'évitement. Et pas ma destination. Ah oui, je suis à 100% de température aussi. Je m'éloigne toujours, là, on est d'accord? C'est bon. Bon. Pour la récupération de carburant, on n'est pas encore au point. Attends, je crois que je vais tellement vite que le soleil, je l'ai déjà distancé, quoi. Soleil, où es-tu? Je suis en train de tourner autour, en fait. Ah, il est là. Ralentissons un peu. Voilà. On va retenter une approche plus soft. Voilà, on voit la surface, la petite ligne jaune. Voilà. Je me rééloigne un petit peu. Je relève un peu. Je récupère à 8 par seconde, c'est peut-être trop. Ouais, ça va de plus en plus vite. Alors, est-ce que c'est parce que je m'approche de plus en plus? Ou est-ce que ça met un temps à... Ah, là, ça réduit. Là, ça augmente. Bon, là, on va dire qu'on est bien. Tant que je récupère et que ça descend, on va se rapprocher et inversement. Hein. On va trouver l'équilibre. Voilà. C'est fait. Bah, maintenant, on va aller à notre destination. Mais il faut regarder par rapport à la température aussi, je pense. Surtout.
Mais bon voilà, plus on va être proche, plus ça va se remplir vite, mais plus ça va chauffer quoi. Allez, on reprend la vitesse. On va essayer cette fois-ci de pas mettre 3 heures à atterrir sur la planète. On a ralenti, ralenti. Il est cool ce jeu. Ouais, quand on arrive à s'en sortir. Bah oui qu'il est cool. Mais bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Comment ça va, Baron? Depuis ce matin? Je commence à avoir des doutes au sujet de ce mariage, mais très bien. ça va tranquillou, je campe Guild Wars, Guild Wars 2. Ça pourrait être Gears of War 2 aussi, hein. Mais c'est moins actuel. En ce moment, du coup, je mets des streams en fond sonore. Et tu es l'élu. Je suis honoré de ce rôle, Baron. Bienvenue à toi. Alors cette fois c'est pas en pointillé, donc je suppose que du coup là on va arriver presque à la verticale. Du coup je vais me mettre peut-être un peu plus en face, peut-être un peu vite là par contre. Calmons-nous. Ça ralentit tout seul de toute façon. Ça ralentit peut-être même trop, j'ai l'impression d'être à l'arrêt là. Mais de rien, merci fond sonore. En bleu ça doit être l'atmosphère, si on peut dire qu'il y en a une, ou au moins la zone où la gravité, voilà, devient telle qu'il faut aller moins vite que 80 km par seconde quand c'est à 600. Je crois qu'il faut que je relève le nez. Voilà, on va se mettre à l'optimal. Alors par contre, je vais juste me retrouver à 20 km de la station si je fais comme ça. La station, elle est là. De toute façon, on va s'approcher, hein. On redressera après. Je pense qu'aussi j'ai bien réduit la vitesse, donc ça doit aider à pas me prendre la planète dans la gueule. Voilà, j'ai une trajectoire optimale pour la pénétration dans l'atmosphère, 90 degrés. Sortie de l'orbite de croisière. Oula. Je voudrais redresser là par contre. D'accord, donc ouais, il y a vraiment une procédure de descente à faire correctement en fait. Parce que là voilà, du coup ça va repasser à une vitesse nulle. Alors que j'aurais peut-être pu être plus près en fait, je pense. Ça doit être ça. Bon bah du coup on peut descendre une minute 40 comme ça. Fais gaffe à la gravité, Cocor, il y a des planètes où tu piques d'un coup. Ah oui, parce que là je suis en 0,20G aussi, donc il y en a où ça doit être supérieur à la gravité terrestre, potentiellement. Et là où dès que tu rentres dedans, bah pouf! En 2 secondes, c'est bon. Si c'est l'élu, on est des dieux, nous, c'est ça. Tu n'es pas grand chose, Kiro. Ok. Allez, on va se faire péter un deuxième. Un deuxième petit vaisseau. Utilisons le turbo. Parce que du coup j'aurais fait la descente, je me serais mis peut-être à l'angle qui va bien. Certes j'aurais fait une descente optimisée, j'aurais vite rejoint la surface. Mais peut-être que du coup, bah, vu que j'étais déjà au-dessus de la station, vu que j'étais allé à un angle à 45, au final je me serais retrouvé très vite à la surface, mais genre à 20 km de la station quoi. Et au final, ça aurait été la même merde, mais à l'horizontale, quoi. C'est un joueur, ça? Cobra MK3, Evan. Non, sinon ça serait CMD machin, casier vierge. C'est peut-être un vaisseau qu'ils ont déployé suite à mon attaque.
suite à mon attaque surprise. Par contre, est-ce que mon petit scorpion au sol peut se faire bourrer par le vaisseau, ce qui rendrait la mission beaucoup plus compliquée du coup? Je pense que c'est pour ça que c'était en haute sécurité. Il y a dû y avoir un petit fauteur de trouble. Dont on taira le nom. J'arrive beaucoup trop vite là. Alors on pense au train d'atterrissage, voilà. Je suis en train de reculer, tout va bien. Terrain inadapté. Oh, on était bien là. Bon, faut pas qu'on se garde en descente, ça nous a pas porté chance tout à l'heure. Ah, je rabote un peu la planète. Là on est bien mais je recule, voilà. Ok. Trop jaloux de rien possible. Trop jaloux de rien. Il y en a, ton vaisseau se transforme en caillou. Genre t'as beau être à la verticale avec plein gaz, bah tu vas t'écraser quand même. Ok. C'est pour ça qu'il faut lire les infos des planètes avant de descendre. Oh bah celle-là on avait déjà atterri, on connaissait. On savait que pour rouler c'était la merde. Bon, envole-toi vaisseau parce que je sens que ça va mal tourner encore. Et si on s'attaquait au cobra? Mais je sens tellement qu'il va vouloir me labourer du coup. Il va me balancer un missile et pouf, OS. Je sens tellement. Histoire de pas péter un vaisseau à 30 millions. T'as jamais fait de mission planétaire du coup? Bah moi j'ai voulu commencer par ça et ça m'a pas réussi pour l'instant. Allez. Je peux pas viser la station à nouveau, histoire que je sache à quelle distance je suis. Tu vois où nous mettre une musique à la Minecraft là? Le petit piano, ça fait tellement Minecraft. Attends, je voulais voir quelque chose. Parce qu'on a une vue tourelle, je me dis, la vue tourelle, c'est peut-être fait pour viser un peu mieux correctement. Ouais, du coup, c'est au lieu de passer en visée auto, je passe en visée manuelle, mais du coup, je peux peut-être un peu mieux viser en l'air. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah, et puis en plus, la vue est même pas inversée. Donc ça va m'angoisser un petit peu. Commande. Ah, peut-être que là, à la souris, c'est peut-être... pas déconnant, tu vois. Enfin, dans la souris, y'a rien qui... je m'appuie sur la souris, il s'en fout. Non, je pense que ça va être vraiment délicat. Je pense que faire confiance à la visée auto, c'est pas plus mal, mais le problème, c'est que dès qu'il est en haut, on peut plus le viser, l'ami. Alors peut-être qu'après, si on cible quelque chose, y'a une visée assistée dans l'écran de la caméra. Le seul moyen, c'est d'être dedans, quoi. Seulement il de le savoir. Le problème c'est que c'est tellement de merdier après une fois que c'est attaqué. C'est pas celle qui rapporte le plus, mais pour commencer c'est bien. Tiens, là on a quelque chose dans notre viseur. D'accord, donc ça vise à partir du moment où on est dans le grand cercle en fait. Ok. On va profiter que c'est pas trop le merdier pour viser tant que c'est stabilisé. On va se mettre à fond sur les armements. Ah, mais je lui fais plus de dégâts là.
Peut-être parce que je suis un peu loin ou il y a peut-être un obstacle. Ah attends, il y, y a les autres qui arrivent là. Il y a les drones là. La voix, l'IA, elle a une voix bizarre là. Et là, ça commence à faire de la merde. Je crois qu'elle reste vers leur tourelle. Hein. Ok, on a enlevé le bouclier. Le problème, voilà, c'est qu'elle s'éloigne. Et c'est l'autre qui prend le relais. Le moteur au pied, on va rester bien droit comme ça. Hein. Enfin, je dois être trop loin pour leur faire des dégâts efficaces. Du coup, j'ai dû trop m'éloigner là, par contre. Non, pas le frein. Allez, ça recommence avec le frein. Enfin, tu vois, le musée, n'hésite pas à passer à la souris. Ouais, mais la souris, ouais, beau cliquer dessus ou de la bouger, ça faisait rien, quoi. Ouais, du coup il a récupéré tout son shield lui. Ah bah voilà, on l'a répété. Allez, achève-le. Et bah voilà. Je crois que la cible c'est. L'objectif c'est bon. Protecteur sentinelle. C'est pas écrit que c'est un Goliath vraiment, mais est-ce que ça en serait pas un? Se rapprocher un peu, il a plus son bouclier. Hein. Il va plutôt chercher à s'éloigner, j'ai l'impression. Ah bah ok, il l'a récupéré. Il va revenir à la charge. Oh, on a vite tombé là. Ah, le rocher. Le rocher de l'angoisse. Et là voilà, il est au-dessus de moi et je peux plus rien faire. Recule, recule, recule. Ça, il a déjà récupéré son bouclier quoi. Ok. On l'a défoncé en 2 secondes. J'ai l'air tranquille là. Que c'est ça un Goliath du coup? Calme-toi. Oula, je tourne à 13 FPS. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ça refait la merde. Allez, tourne. Ok, j'ai pris cher, mais eux, ils ont rien pris, quoi. La tourelle là-bas à droite, elle a l'air isolée. Je vais laisser mon bouclier recharger. Je sais pas si ça a bien compté, là. Trouvez vos cibles dans la colonie McDaniel Main Plus, ça c'est bon. Ouais, faut paramétrer, ouais, mais... Je suis pas d'humeur à me perdre dans les paramètres. Ouais, dès qu'il y a une petite vibration, en fait, je perds complètement le focus. Et je tire à côté.
Ok, là je suis... je suis un peu plus près pour bien viser. Là, c'est moi où j'ai réduit leur périmètre de défense. Là je me fais... Il y a des trucs qui sont venus du ciel, je sais pas trop ce que c'est. Quoi, c'était des mortiers. Ça va recharger vite le bouclier. Quand on le met bien à fond. Ok. On va détruire toutes les tourelles hein, jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis et qu'on puisse voir éventuellement un Goliath. Ok, une de plus. Ou une de moins, c'est comme vous voulez. Ah, par contre là mes boucliers sont HS. L'arme. Ah, vu que j'ai rien mis en moteur, je peux pas faire le petit saut en l'air. Ok. En fait, faut pas aller trop vite, sinon la tourelle, elle saute et elle y arrive pas. Là, j'ai fait de la merde. Ok. On doit pouvoir rester là. Ah, c'est bon, mon bouclier est toujours là. Il va recharger gentiment. On va se diriger vers la prochaine cible. Tout doucement. Alors ça a l'air d'être derrière ce machin. Terminer l'opération actif. Ah, peut-être que je désactive peut-être, ça pourrait peut-être désactiver les tourelles. Recule. Tourelle de défense. J'avais pas une liaison ou un truc là? Peut-être que je me rapproche. Alarme. Ça. Non, c'est l'autre touche. C'est... Non, avance. Alors ça marche pas. Oups. Attends. Comment c'est pour changer d'arme déjà? Non, c'est des capteurs ça, mais peut-être pas le moyen de changer d'arme en fait. Peut-être que je sois vraiment en face en fait. On va faire le tour. J'ai pas de détecteur de liaison. On peut interagir avec ça. Et les présences actives. Ah, peut-être parce que je le... Voilà, je le ciblais pas en fait. Accès au terminal reçu. Intrusion en zone interdite. Accès au terminal des opérations. Ok. Du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose, ça. Analyse. Analyser, d'accord, ok. Après ça, je sais pas ce qu'on en fait, est-ce que c'est des données à revendre après derrière. Mais du coup, on a pas trouvé notre Goliath. On va regarder si on trouve les cibles. Ça, bah, ça c'est mon vaisseau qui est gentiment resté là pour une fois. Ils ont donné.
Ah, tourelle de défense, ouais. Il y avait autre chose, je crois. Alors, tourelle de défense. Ouais, c'est pas ça. Hein. Ah mais non, mais on avait les... Bon, ça peut quand même. Encore une toile de défense là-haut. Je sais pas si on pourra bien l'atteindre. L'atteindre. Liaison de données publiques. Activation du protocole de sécurité. Protocole de sécurité activé, déclenchement du compte à rebours pour la réinitialisation du point d'accès aux données. Temps de réinitialisation du point d'accès aux données, 47 secondes. Du coup, est-ce qu'il faut que je passe à celui-là? Accès au terminal, ouais. J'y comprends rien. Liaison de données, et ça c'était terminal opération. Est-ce que je peux avoir accès aux infos en détail? Je peux pas retourner dans l'info? Je peux pas avoir le détail? Il y a peut-être un autre endroit où il faut trouver des données, je ne sais pas. Ça sort de, juste de la vue, voilà. Tous les liens de télémétrie ont été coupés. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder un peu plus par là? Là, je vois les deux terminaux sur ma boussole, ok. Est-ce qu'il y en avait un troisième à activer? Genre, fallait les faire dans l'ordre. Liaison de données. Bah, il y en a un autre là, ici. Lui, il est public aussi. Bon, on va essayer de faire les deux à la suite pour voir. Ok. Je sais pas où je vais. C'est où le... Allô? C'est où le... C'est où le sol? C'est où le... Où est-ce que je suis? Bon, déjà je faisais remettre de la surface. Je suis sur le dos ou bien... Je comprends rien. Ah. Où est le cul, où est la tête-tête? Je ne sais pas. Ok, donc alors, je regarde droit devant moi. Ah, voilà. Non. Voilà, c'est bon. Je vais être genre contre le mur. Autant dire que pour les deux secondes, c'est mort. On va y arriver un jour peut-être. Oh, je suis encore coincé, quoi. Sérieux.
Oh mais c'est pas possible, ils ont savonné la pente. Je glisse pour un rien. Ok. Plus bouger. Là, au pire, on voit les deux. Non, même pas. Bon, on arrêtera de se déplacer en mode tourelle. Ok, on quitte. Petit retour. Petite accélération. Oh, c'est sérieux quoi, je me suis bloqué avec ça. Oh là là. Ah. Il y a l'air vite de quelqu'un qui est en train de sonner là. Dis-moi que j'ai accès. Dis-moi que j'ai accès. J'ai accès. Ok. Ça m'a rajouté une minute, très bien. Et maintenant celui-là. Actif, accès au machin. Il est toujours marqué privé. Ah, si on a un troisième à faire, ça va être l'angoisse. Accès au terminal des opérations. Ça reste privé, j'ai une prime de plus. On va voir s'il y a un autre truc comme ça, genre à l'arrière. Non, c'est la liaison de données qui est derrière moi que je vois, ok. Il y en a un là-bas. Il y en avait un troisième. Alors j'ai 30 secondes pour faire celui-là et peut-être 1 minute 30 pour faire les autres. Ouais. Il t'a attiré l'attention et a accumulé des primes, autant le faire jusqu'au bout. Hein. Ah, tous les liens ont été établis. Nouvelles données découvertes, chiffres, mise à jour, logiciel de sécurité. Ok. Nouvelles données découvertes, chiffrées, banque de données d'analyse classifiée. Ok. Si vous le dites. Alors, est-ce que j'ai accès? Alors ça doit être l'alimentation. Je crois que pour me venger, je la couperai pour finir. Est-ce que maintenant j'ai accès à ce grand machin là-bas? Est-ce que j'ai accès à ça maintenant? Inactif. Marqué toujours privé. Potentiellement, je suis trop loin. Je crois que ça avait marché que... Frein à main. On expérimente des choses. Ah, là, ça marche. Parce que je suis à la bonne hauteur. Sans doute. Bon, ça me remet une prime. Ça ressonne. De liaison de données, mais ça doit être ces deux-là. Ça doit pas être un nouveau. On est d'accord qu'il y a rien d'autre ici. Ah, c'est une tourelle là-haut, hein. Ah mais il vise tout seul le point central qui est... Attends, faut que je regarde droit devant moi. Voilà. Comme ça.
Le problème c'est que j'ai tout bouffé. Je lui ai fait zéro dégâts. C'est pas l'alimentation ça? Ah si. Je peux l'attaquer que de ce côté, faut croire. Bon, se mettre en tourelle. Une petite prime de plus. Et là, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici. Hein. Par contre, je crois que le Goliath, si c'était bien les tourelles, je crois que ça m'a rien validé. Hein. Malgré tout. Défoncer tout ce qui était défonçable. Et en plus, j'ai bien bouffé mon vaisseau, là. Enfin, mon petit scarabée. Alors vu qu'il a peut-être plein de données, je vais éviter de le cracher, on va le ramener. Je vais regarder une dernière fois l'objectif de mission, mais je crois qu'on peut pas avoir plus d'infos que ce qu'on a là. Hein. Trouvez vos cibles dans la colonie McDaniel Mine Plus. Ah bah non, victime confirmée, 0 sur 1. Donc non, même pas, hein. ça m'a raconté que dalle, quoi. Enfin, je regarde sur la rediff et les espèces de... les espèces de drones qu'on a éliminés, voir s'ils avaient ce nom-là ou si ça avait rien à voir. Alors après, ils étaient pas forcément à la station, à la colonie même, hein, sauf que c'était dans les environs. Mais bon, j'ai rien vu de particulier. Donc ça me laisse perplexe tout ça, je vais refaire un petit tour vite fait je pense de la station, voir si je peux au moins remettre mon vaisseau, mon buggy à 100%. C'est moi qui ai tiré là? Transfert cargaison? Bah j'ai rien. Ah, la coque est revenue. Ah, par contre, elle récupère pas son carburant. Par contre, le coup du cobra, du Goliath... Je m'interroge beaucoup. Je vois comme il fera main. Aïe. Au pire, je vais regarder vite fait sur le net. Ah, attends, j'ai des notifs. C'est peut-être juste pour me dire que j'ai 25 000 primes. Ah, c'est ce que j'ai retrouvé, ça. Échec de notification, accès à vite accordé, accès à des privilèges.
Attends, parce que là, voilà, le vaisseau fait de la merde. Ouais, y a rien d'autre du tout. Hein. Je vais regarder vite fait. Du coup, tac. Goliath. Elite. Dangerous. Voilà, how do you kill those Goliaths? Ah, il faut les combattre depuis le ciel avant d'atterrir, vous êtes sérieux? Ouais, c'est bien les drones, hein. Ah, il fallait peut-être... Ouais, je sais pas. Ça avait l'air d'être les bonnes tourelles. Alors, vu qu'il y en a qui se sont crashées, est-ce qu'ils considèrent qu'elles se sont suicidées? Et que du coup, c'est pas valide. De toute façon, je sais pas... Qu'est-ce qui fait que la zone va reset? Ça fait déjà un moment que j'ai tout éliminé et que c'est pas revenu, alors peut-être parce que je suis dans la zone aussi. Bon, je pense qu'on va tout simplement abandonner cette mission. Hein. Il y a une lettre là qui traîne. Bah ça doit être des morceaux de Goliath, ça. Putain. Bah ouais. Bon, ça se cible pas comme épave. Je roule dessus, regardez, je leur ai fait des dégâts après leur mort. C'est moi qui les ai achevés. Bon bah je sais pas, c'est pas clair. C'est moi où la zone elle a grandi. Ah d'accord, il y a deux petites zones en fait. Il y a une petite zone et une grande zone. Ok. Bon du coup je sais pas si c'est le jeu qui m'a trollé avec un bug ou si c'est moi qui ai fait tout de travers, mais ça n'a pas marché apparemment. Ah d'accord, il y a le petit carré embarqué qui me dit je suis bien placé. Ok. On va retourner à la station. La plus proche. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui.
Oh putain, ça recommence. Ça recommence l'angoisse. Ok, je joue le champ de gravité. On va pas traîner ce coup-ci. Il en a pas lancé de deuxième, mais bon. Ok. Ah, je suis retourné dans le champ gravitationnel, très bien. Attends, on va se mettre à 45 degrés. Ah, par contre, là, je suis toujours recherché, donc ça risque de craindre. Au moment d'arriver à une base, je vais peut-être me faire attaquer. Ça dépend peut-être par qui. Alors, faut peut-être pas que j'aille à la station du système où je suis, parce que là, c'est sûr, ça va être la faction qui me recherche. Ah, j'ai des dossiers d'information du point d'accès de données. Bon, c'est une valeur de 2500, ça sera pas un gros butin par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Ok, donc faut pas que j'aille à un truc avec Balloon, quoi, ça c'est sûr. Du coup, on va vite se chercher une destination. On va retourner à là où on vient. À Kadoumist. Avant qu'on soit intercepté ou scanné. Hop. Là, je dois m'éloigner de la planète, je vais reprendre de la vitesse. Je suis bien en FSD là. Je crois. J'ai pas l'air d'aller hyper vite. Et ça augmente. Il faudrait que ça augmente mieux. C'est là que j'ai ma vitesse qui monte en flèche. Là, il y a ma zone morte du joystick droit aussi qui va pas. Hein. Bon, pendant qu'on se demande si ça va ou pas, ça va être quoi ça? Rotation poussée. On avait fait les lacets. Ah bah non, avec les lacets, on n'a pas fait. Voilà, zone morte. On n'avait pas fait celle-là. Tac. Retour au menu du jeu. Reprendre. Ah, voilà, ça se réduit. Ouais, c'était le temps qu'on s'éloigne de la planète. Bon, je crois qu'après, on va faire du Zelda, du coup. Focus du jeu, voilà. Et voilà, si. Après, on peut faire des sauts, oui. Une fois qu'on est en super vitesse. Évidemment. On passe d'un système à l'autre. Et une vitesse encore plus haute. Du coup, j'ai pas de destination à nouveau. Je l'ai vu, je l'ai vu.
Ça va, on est dans le bon sens. Du coup, je suis plus recherché, peut-être parce que justement j'ai quitté le système où j'étais recherché. C'était quoi? C'était. Ah, c'est là. Voilà, là, si je regarde là. Je peux pas avoir des infos directes là? Ah, je l'ai passé par contre. On va ralentir, on va faire une approche dans l'autre sens, hein. Ça augmente, on va accélérer un petit peu. Salut Xenogears War, comment ça va? Ah, je vais trop vite encore. Ça a l'air d'aller. Ça va, tranquille. On a tenté une mission là sur elle est dangerous, mais ça s'est pas avéré concluant, soit par un bug du jeu, soit par une incompréhension totale de ce qu'il fallait faire. Et du coup, on va passer sur Zelda là. On revient juste à la station. On fera une petite pause de 5 minutes, histoire que je reprenne un peu de quoi me rafraîchir. On va demander l'appontage avant de se prendre la station dans les dents. Plateforme 1. Non, je ne suis pas du tout recherché, c'est faux. Et merci pour le flow, Xenogears War, tu deviens encore plus fort. Bienvenue à toi. Ah, t'étais pas abonné à ma chaîne, donc je t'avais vu que chez Dova, du coup. Alors, plateforme 1, elle a l'air d'être juste là. C'est la petite ou la grande? Ah non, bah c'est la petite, je crois. Alors, mets-toi pas à l'arrêt non plus. Ah, il va sortir sur PS4 Je pensais qu'il était déjà sorti sur console. Alors, peut-être que sur PS3, Xbox 360, et encore que, est-ce qu'il tournerait bien dessus? Je sais pas. Ah, pour le coup, moi, c'était... C'était déjà d'office sorti sur console. Je pensais que c'était acté. Ok, bah tu me l'apprends. Un peu plus vite, non? Alors ça c'est sur le clavier. Je voulais redresser mais ça passe. D'accord, avec toutes les extensions. Très bien. Bon, je pense que pour la mission, c'est râpé. On va réparer, c'est pas cher. Donc là, j'ai pas d'amende à payer parce que c'est pas le système où je suis recherché. Par contre, on a des dossiers d'information qu'on a récupérés sur la station. Bon, ça va pas être une grosse récompense, par contre. Hein. Mais bon, c'est déjà ça pris. Et du coup, bah c'est tout, hein. Question des récompenses de combat, voilà, j'avais pas de prime. Les autorités.
Aucune amende à payer, ouais. J'ai des amendes à payer ailleurs, mais pas ici. Et je compte pas les payer parce que c'est pas une faction qui m'intéresse. Je crois. À voir si c'est pas de la fédération. Quand même. Je peux avoir plus d'infos là-dessus? D'ailleurs, j'ai 6 jours pour la payer apparemment. Hein. Là, il y a un temps par contre. Je sais pas si j'ai une obligation quelconque. Voilà. Ah, c'est quand même la fédération, hein. Ah, mais faut que j'y aille tout de suite. C'est-à-dire que si je me dis, allez, j'arrête de jouer, puis allez, on rejouera dans une semaine, ça sera trop tard, quoi. Eh bah, tant pis. Ah ouais, non, ma réputation de la fédération baisse. Oh, fais chier. Ah, mais si je suis recherché que j'y vais, ils vont me canarder, non? Au bout de 6 jours, ils t'envoient l'armée. Où est-ce qu'on y va, du coup? Si c'est pour arriver à la station et me faire déglinguer, c'était pas forcément mieux. Hein. Ouais, non, faction secondaire, mais ouais, surpuissance aussi, ça a réduit. De toute façon, je crois que je suis tout à zéro, donc. Est-ce que vraiment ça pose problème? Ouais, puis zut. Ils m'ont assez énervé. Ça ira pour aujourd'hui. Au pire, si je rejoue d'ici un mois, ils m'auront oublié comme ça. Allez, du coup, on fait une petite pause. On va passer sur Breath of the Wild. Je vais quitter le jeu. Et je vous retrouve tout de suite après. Sauvegarder et quitter le jeu. Oui. Et on verra bien ce qui se passera quand je reviendrai. je vais vous mettre un petit peu de musique en attendant. Pour mettre dans l'ambiance. Le problème, c'est que j'ai tout fermé.